Bonjour à vous, bienvenue pour les tirages du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir chez vous. Merci de me réserver un accueil sur mon retour sur YouTube. Je peux à nouveau faire les vidéos, à nouveau être monétisée. Donc, je rends grâce que ma situation soit enfin réglée après toute cette patience que j'ai eue. Donc, je vous remercie de commenter, de vous abonner à ma chaîne, de continuer à me suivre. Donc, ceux qui sont des abonnés, réabonnez-vous ou les nouveaux, abonnez-vous si ces vidéos vous plaisent. Donc, pour le mois d'octobre, on va regarder quel sera le signe du jour. Donc, c'est une très jolie carte. Je vais les mettre ainsi. Et on va regarder pour le signe des cancers. Bienvenue à vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je vous invite à regarder aussi les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire quand il sera sorti. On va utiliser un jeu général pour ce tirage du mois d'octobre et tirage sentimental avec le Line of Love. On va reprendre aussi une énergie ici avec mon oracle. Donc c'est l'oracle 33, s'il vous intéresse, je vous mettrai dans les commentaires si vous voulez vous le procurer. Avec grand plaisir. Alors, je vais regarder quelle sera l'énergie qui va dominer en ce mois d'octobre 2024 pour les cancers. Cancer, quelle est l'énergie principale? Octobre, cancer, l'énergie principale pour le mois d'octobre 2024. Pour les cancers, de quoi on va parler? Alors, on nous parle que vous allez avoir du soutien, de l'aide, des amitiés, des gens sur qui vous pouvez compter. C'est un beau message, message important. Donc, personne sur qui on peut compter durant ce mois. OK. Priorité. Alors, je vais enlever ma fleur de vie. On va regarder quels sont les messages d'abord généraux pour ce mois d'octobre. Donc, ça va parler à certaines personnes. Essayez d'adapter. Ça peut parler peut-être pour le mois d'après hein, aussi. Pas tout de suite, tout de suite. À voir. Le temps est toujours un petit peu particulier. Ce n'est pas le 30 octobre que c'est terminé. Ces énergies, ça peut déjà être le cas. Et ça peut être aussi après le mois d'octobre. Donc, on y va. On va regarder les énergies ici pour vous. Juste voir si ça ne floute pas. Alors, soutien, aide ce mois-ci, association, gens qui vous donnent un coup de main, qui vous soutiennent. On voit vraiment ici sur cette carte, vous voyez le chat qui porte l'autre chat, le soutien, les mains, quelqu'un, les amis, l'amitié, importance de cette énergie ce mois-ci. Alors, cancer, octobre 2024, quelles sont les énergies générales? Cancer. Octobre, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois d'octobre 2024. Comme regarder la coupe. Alors, on nous parle de discussion ou de médisance. Ça peut aussi être ça, hein, en dos de deck. Et on nous parle de la lune. On parle de choses qui pourraient être un peu cachées ou des gens qui ne vous disent pas tout. C'est aussi possible. Ici, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. C'est un peu deux cartes de choses cachées. Bon, on va voir pourquoi. Alors, je vais tirer six cartes. Cancer, octobre. Cancer, octobre 2024. Cancer, octobre 2024. Pour le mois d'octobre 2024. Cancer pour le mois d'octobre 2024. OK. On va regarder ce que nous réserve ici le général, ce que cela nous dit. Alors, on voit effectivement que là, en tout cas en début de mois, il y a des difficultés, et il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter. D'où l'aide, hein. Vous voyez, comme si la personne ici vous aidait à surmonter cette montagne. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui peut être difficile à vivre. Est-ce que c'est un déménagement, un changement de travail, une relation qui est difficile? On va voir. Alors, on nous dit que par rapport à ces problématiques, vous allez avoir la chance. Cette carte peut aussi sortir dans ce mois d'octobre comme une chance pour régler une situation, pour aussi jouer au jeu, n'hésitez pas.
mais on voit que ça va être de votre côté. C'est comme ce soutien par rapport à une problématique. Alors, ça pourrait parler d'une association, d'une relation, c'est l'anneau ici, d'un mariage. Donc, probablement, il pourrait y avoir une difficulté dans un mariage, mais il y a la chose qui vous accompagne. Dans une union, dans une association, adaptez-le, hein. Alors, attendez. OK. Moi, je vois ici pour vous cette situation, cette association, ce mariage, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps avec l'encre. Ça dure depuis un moment. Et on me dit maintenant, bon, il faudra vous en sortir. Il y a quelque chose comme une libération qui va être importante pour vous ce mois-ci. Libérez-vous de certaines difficultés. Vous allez être aidé, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Et oui, on nous parle quand même de relations sentimentales, hein. Il y a une libération, j'ai l'impression, dans un couple ou par rapport à un travail associatif qui vous passionne. Bien sûr, l'amour, ça peut être aussi une passion ou ça peut être l'amour. Et comme je vous dis, la chance est à côté de la carte de l'amour. Vous allez avoir de la chance pour régler une situation difficile qui dure depuis trop longtemps au niveau d'un couple, d'une association. OK. Et c'est une triangulaire. Encore? Étonnant. C'est bien un tirage. Vous savez, le petit Lenormand que je prends aujourd'hui, et 2 jours de suite, ça me fait un tirage sentimental. Bon, pourquoi pas? Ou adapté à une passion qui vous plaît beaucoup, où il y a des problèmes qui viennent possiblement d'une femme malveillante, jalouse, ou ça peut être une tierce dans le tirage sentimental. D'accord? Mais on voit qu'il y a vraiment un solutionnement qui va se faire. Vous allez avoir de l'aide extérieure, vous allez avoir la chance qui vous accompagne. Et puis, on voit que cette situation a trop duré, ça va se régler. Et il y a vraiment une montagne. Donc, c'est vraiment les gros problèmes, dont quelque chose qui vous lie à autrui. Alors, bah, le sentimental, on va voir ce qu'il nous dit. Les cancers. Cancer. Ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois d'octobre 2024, octobre 2024. Je vais juste voir quelque chose. Si on fait la vidéo comme ça, non. On continue. Amour, octobre, cancer, amour, octobre. Cancer, amour, octobre. Cancer, amour, octobre. Je regarde la coupe. Du courrier, des messages. C'est peut-être aussi en lien avec cette situation hein, qu'on va résoudre. Vous allez retrouver la paix. OK? Ça, peut-être avec ces problèmes, ça vous a pris de l'énergie, il y a eu du stress, etc. Mais là, ça se règle. Donc, je vous ai mis une jolie statue de Bali. Hein, c'est des décorations de Bali. Je vais enlever ça pour qu'on la voie bien. Je vais le mettre ici pour le cancer. Alors, pour le sentimental, quatre cartes. Cancer, amour, octobre. Cancer, octobre. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les cancers en octobre? Et restez jusqu'à la fin pour avoir le conseil de l'oracle des fées. Merci beaucoup. N'hésitez pas vraiment de vous abonner à la chaîne, de me soutenir et vraiment de m'accueillir à nouveau sur YouTube avec bienveillance après tout ce que j'ai vécu et subi et surtout attendu. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, l'amitié ressort. Vous voyez, quand on tire les cartes d'énergie, là, c'est vraiment pour nous dire ce qui va être important dans ce mois-ci. Donc, parmi vos amis, ou à nouveau le soutien de vos amis, on verra si ça correspond, auront une importance. On parle ici de communication. Donc, il y aura des dialogues, des discussions, il y aura des choses à dire, des choses à entendre. OK? Au niveau sentimental, on voit que vous allez
devoir parler par rapport à une situation qui vous a blessé. Vous allez devoir dire, exprimer et certainement terminer une relation, comme on l'a vu ici, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Et je vois, moi, si c'est au niveau sentimental ici, qu'il peut y avoir une tierce, une personne jalouse qui a pu s'immiscer dans votre couple depuis longtemps ou qui est toujours dans les parages et dont il va falloir vous libérer. Et on dit d'avoir confiance, on a à nouveau la poignée de main. Regardez, c'est assez drôle, hein? Poignée de main ici, poignée de main ici. Donc on vous dit, ayez confiance, les choses vont se résoudre, cette personne toxique, moi je la sens comme ça, va disparaître de votre vie ce mois d'octobre, en tout cas on le souhaite, la situation a trop duré. Donc il y a des problématiques à relever qui ont trop duré. Ça concerne un mariage, une union, un couple. On voit que il y a quelqu'un qui intercédé, comment dire, qui s'immisce dans votre couple. Mais la chance est avec vous ce mois d'octobre pour régler cette situation, en finir justement avec quelque chose au niveau de l'amour. On nous le redit ici au niveau du tirage amoureux que des amis certainement vous aider à communiquer, vont vous dire, voilà, il faut que tu communiques, il faut que tu fasses passer le message que tu as été blessé, que cette situation doit se terminer. Effectivement, tu vas recevoir de l'aide de tes amis pour le faire. Peut-être tu n'as pas le courage, mais on va te pousser à le faire. Et puis on nous dit surtout, aie confiance, ça va se solutionner. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment et vous ne savez pas comment vous débarrasser, j'ai l'impression, d'une femme ou d'un homme toxique au niveau sentimental. Alors, votre message ici de l'oracle des fées. Cancer, octobre 2024. Cancer, octobre 2024. Cancer, octobre 2024. Cancer, quel est le message que les cancers doivent entendre pour le mois d'octobre? Bon, c'est comme les signes précédents. Vous devez retrouver votre énergie, réaligner vos chakras, vous remettre de cette situation compliquée qui a pu vous affecter moralement, physiquement, dans le stress, etc. D'accord? Voilà le message que les anges ont pour vous. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos messages et votre soutien. Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.